C'est de la merde, mais il y a 11 000 d'expérience. Le Chica va vous montrer comment faire tourner la forge. Que votre forge brûle d'un feu ardent. Mais en fait, c'est les descendants du professeur Manhattan, en fait. Docteur Manhattan, dans Watchmen. C'est ça, en fait. En fait, c'est un monde fait par, par le docteur Manhattan, des Watchmen. Je suis là pour aider. Oh. Mais et qu'est-ce que t'es toi précisément? Mais je sais pas trop ce que c'est que. On a un calendrier bon. À tenir. Qu'est-ce que je peux faire? Mon temps est précieux. Mettez des beaux objets brillants dans la forge. Alimentez la valeur. Ok, d'accord. Quoi? Oh bordel, ok d'accord. On est bien là. Là c'est pas bon là. Ah, d'accord, ok. Donc en fait si ça brûle trop, faut que je. En fait faut que je reste dans la zone. Voilà, faut que je reste dans la zone bleue. What? Oh bordel, 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 bordel. Mais pourquoi il y a une vague de froid comme ça? Enfin, c'est. Ah non, mais s'il y a ce genre d'événement à la con aussi. Allez, faut faire comme moi avec l'impression 3D, hein. Faut mettre ça dans une pièce qui est bien régulée niveau température. Bien isolée et tout. Enfin... Non, mais sérieusement. Venez, j'ai besoin de vos bras. Oh là 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 là. Maintenez l'armure en place, je vous prie. Eh, moi je reste en impression 3D, mais ça ira pas, hein, ça irait pas. Enfin bref, les écarts de température comme ça, c'est mortel. Hein. Voici l'étape la plus délicate. Il faut être d'une précision à toute épreuve. Terminé. Parlez. Je vous écoute. Ok, et ça ressemble à quoi? Trouvez plaisir à travailler et fierté à créer. Oh non, c'est moche en plus. Et en plus, c'est moche. Allez. Hop, c'est de la merde. Comment puis-je vous aider? Même en transmo, c'est moche. Au secours. Au secours. Je vous avoue que votre arrivée ne m'a d'abord inspiré aucun espoir particulier, mais juste normalement. Cléa a beau être convaincue de votre présence... Que votre présence ici annonce le renouveau tant attendu du Bastion. J'étais loin de partager son optimisme. Je n'oublierai pas de sitôt ce que vous avez fait pour moi. Il existe une voie maintenant hors du creuset, mais vous ne pouvez l'emprunter qu'en surmontant une épreuve pour laquelle bien des hommes se préparent pendant des siècles. Vous n'êtes pas comme elle. Cléa et Pélagos vous en diront plus
ils vous attendent près du terrain d'entraînement. Si c'est pas Léa a peut-être raison de tant voir en vous. Allez et servez. Au revoir. Revenez vite. Bon, la voix, par contre, clairement... fait penser à un autre personnage de jeu vidéo. Mais qui a pas le même tempérament non plus. Je vois que vous avez la faveur de la forgelite. Excellent. C'est le moment de tester cette nouvelle armure. En quoi puis-je vous servir? Servir. Voilà notre voie. Le défi à venir va vous éprouver d'une façon qui dépasse probablement tout ce que vous avez pouvé imaginer. Si j'en juge par votre passé et votre allure, vous avez l'habitude de vous battre. J'aimerais donc évaluer vos qualités martiales afin de remédier à tout point faible que nous décelerons. Avant votre épreuve, nous avons créé trois magistrats, chacun plus redoutable que le précédent. Venez-en à bout et... vous déciderez suffisamment et je déclarerai suffisamment fort pour vous poursuivre votre périple. Pour poursuivre votre périple, d'accord. Terrasser trois magistrats, entraînement au moment. Okay. Gardez l'esprit serein. Puisse la sagesse de l'archonte s'imposer. Je suis là pour vous. Ok. L'épreuve qui vous attend jugera de votre valeur à bien des niveaux. Pour commencer, Cléa et moi souhaitons évaluer votre capacité de résistance. Regardez autour de vous, ces aspirants s'entraînent pour la même épreuve que vous, mais tous ne progressent pas à la même vitesse. Certains peaufinent leurs talents depuis des siècles, d'autres des millénaires durant. Vous allez devoir vous mesurer à eux lors d'un affrontement amical. Que les Kyrian désignent sous le nom de méditation de combat. Aidez-les à trouver leur équilibre intérieur et ils en feront de même pour vous. Revenez me voir lorsque vous vous sentirez prêt. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Ensemble, tout devient possible. Bon bah, let's go! Je vous souhaite la bienvenue. Allez et servez. Protocole d'entraînement terminé. Fin du programme de combat. Gloire à l'Alliance. Pardon ? C'est un lieu venu à forger notre destin. Bienvenue. À très bientôt. Dans quel temple étudiez-vous? Allez avec courage. Défi accepté. Protocole d'entraînement niveau 3 activé. Ah, mais pourquoi ils parlent comme des titans? L'archonte vous guide. Oh, ça peut être l'archonte. Nous devons tous suivre la voie. Ouais, allez-y, éclatez-vous. Hop. Là, vous allez vous éclater avec mon marcheur. Là, tu peux l'attaquer aussi, ouais, super. Voilà. D'accord. C'est un honneur. Oui. L'archonte. Ainsi soit-il. Ah.
Il me reste combien? 2. Dans quel temple étudiez-vous? Allez avec courage. Quel savoir allons-nous partager? D'accord, ok. Vu qu'il marche, il... Ah non, c'est bon, c'est arrêté. Ce chemin... Oh, ok, ça c'est chiant. C'est un honneur. Ayez foi en notre mission. Bon, ça c'est résolu. Ensuite, il y a Artillon là. Hop, allez, tiens, salut. La politesse de bienvenue, bien sûr. Hein. Le trait de l'ombre directement dans la tronche. Même pas un bonjour, même pas un au revoir. Du programme de combat. D'accord, donc ça c'était le premier. Et au second là, hop, hop. Défi accepté. Protocole d'entraînement niveau 3 activé. Ah, c'est ça que j'entendais, c'est parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont activé des robots comme ça, c'est ça que... Démarrage du programme d'humilité. Que je refasse mon mode guerre par contre hein, parce que je peine un peu quand même. Faudrait que je me penche dessus un quart d'heure peut-être ce soir. Alors hop, et il en reste un. Les pilons. Défi accepté. Protocole d'entraînement niveau 2 activé. Protocole d'entraînement terminé. Fin du programme de combat. Bon. Et on peut me donner des quêtes où je peux looter un peu parce que... C'est marrant en 2 minutes, quoi. Le sort du bastion est entre nos mains. Je suis tout oui. Bon.
me reste à peu près une heure de tournage. Ah zut! Ah, t'es passé où toi? Voilà. Excusez-moi. J'ai muté mon micro par erreur. Ah, d'accord. Je me doutais bien que le gros robot au milieu. Il est évident que vous êtes bien un combattant aguerri. Nous avons ici un célèbre centurion aimé de tous les aspirants. Athanos, puisque c'est son nom, est capable de mettre à rude épreuve les plus forts d'entre nous. J'aimerais que vous l'affrontiez, considérez ce combat comme un défi lancé à votre esprit. Si vous parvenez à triompher de lui, je vous jugerai prêt pour que l'avenir, pour ce que l'avenir vous réserve. Défi Athanos. Et on a des protège-mains. Des protège-mains à chier. On va me donner tout ce que vous avez. Toujours inspiré profond. Bon. On va recycler cette boîte de conserve. Démarrage du programme d'humilité. Ah oui, 2 millions de points de vie. Ah oui, 2 millions de points de vie quand même. Ok, on va commencer à balancer quelques sorts. Pourquoi ils sont deux? Protocole d'entraînement terminé. Fin du programme de combat. C'est un bug qu'il soit deux ou... Ok, l'autre c'est parce qu'il est... L'autre c'est parce qu'il y a un autre joueur qui est en train de faire une mission que moi, il n'était pas moi. C'est lui que je vais devoir affronter les deux parce que l'autre s'est barré. Ça va être raide. Défi accepté. Protocole d'entraînement niveau 3 activé. Bon, heureusement que le marcheur il tient. Hein. Ouais, 2 millions de points de vie. Hier soir, j'ai affronté Lidan au Temple Noir qui a 1,5 million. Ça a déjà été long. Sachant que le script il a bugué à la fin. Donc j'ai pas pu finir le combat. Enfin, il a fini, il était à 1 point de vie. Et c'était long. Et là, 2 millions de points de vie et ils sont niveau. Ils sont niveau 2, c'est chaud. Hein. Fin du programme de combat. En vrai, c'est fini ou... Vous incarnez les vents du changement. Ah, c'est fini nous en vrai. Nous allons relever le défi, quel qu'il soit. Wow. Vas-y, je vais le réduire en tas de ferraille. L'autre au milieu, je m'en fous, mais celui-là, je vais l'écraser. Tant pis, hein, ça prendra le temps qu'il faut. Hein. Je vais déjà dégommer 100 000 points de vie. J'ai déjà mis 100K dans la gueule, on va bien y arriver. Peut-être que je réinvoque des démons de temps en temps, mais...
Démarrage du programme d'humilité. Ah, je vais y arriver à balancer mes affections instables. Ah mais d'accord, ok, je les cumule plus les... Ah putain, mais oui, c'était un effet, le fait de cumuler les affections instables. Du coup, pour le vaincre, là ça va être bon. Là ça va vraiment être bon. Mais j'ai envie de le faire. Franchement, il y a moyen de le faire. Donc, j'ai verrouillé 204 vies là. Ça devrait le faire. Et j'ai pas pris un dégât. J'ai pris des dégâts quand mon démon est mort, mais après. J'en balance du trait de l'ombre. À court de mana. Je vais descendre 304 vies avec 2 millions. Elle est pas mal. Ah, faut bien que ce soit un peu long quand même, mais. Ah, on est déjà à 10 minutes de combat. On est déjà à 10 minutes de combat, au secours. Et je lui ai descendu 13% de points de vie. En calcul rapide là.
je vais manquer de mana. Cet enfer. J'ai juste resté au dot le temps de remonter ma mana. Je peux pas. En vrai, j'ai déjà validé la quête, hein. Je pourrais abandonner le combat, mais. Mais non, ce serait trop beau de se le faire. À côté qu'en plus, il doit rapporter masse. Il doit rapporter masse, quoi. Si ça se trouve, je suis en train de faire ça pour 900 malheureux. Pour l'expérience, oh, ça me dégoûterait. Honnêtement, je serais dégoûté. Mais faut qu'on voit combien d'XP ça rapporte à la fin. Je suis descendu 404 villes. Oh, ah, c'est un seul frère. Résistant la boîte de conserve. Faut se mettre en groupe. Faut se mettre en groupe pour le descendre. Allez, on est quasiment à 500k là. On va atteindre les 25% de sa vie. Faut que je régène de la mana. Je pourrais invoquer un regard sombre. Ça aide un peu.
Protocole d'entraînement terminé. Fin du programme de combat. Du programme non plus. Ah, c'est la violence, hein. C'est la violence. Non, 18 minutes de combat. Ça fait 18 minutes qu'on est dessus. Ah, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Et on va vraiment le faire. On va le faire. C'est trop beau. C'est trop beau pour pas le faire. Écoute, au bout d'un moment, ils mettent un mob à 2 millions de points de vie. Évidemment, il y a un kéké qui va essayer de se le dérouiller. Hein, et ce kéké, c'est moi. Vous croyez qu'il y a un achievement? Vous croyez qu'il y a un achievement si jamais je le dérouille? Allez, 600k. J'ai dérouillé de 600k. Parce que dans ma tête, les afflictions instables, elles se cumulent, mais en fait non. Normalement, je peux en cumuler 3, je crois, mais il faut que j'active mes capacités de guerre. Du trait de l'ombre si j'ai le crépuscule. N'empêche, mon marcheur du vide, il tient. Hein. Mon marcheur du vide, il est déter. Hein. Parce que la raison pour laquelle il m'afflige aucun dégât, c'est que c'est mon marcheur du vide qui prend tout. Et mon marcheur du vide, il est là en mode vas-y, frérot. J'encaisse, quoi. J'ai une légère latence, vous l'avez peut-être senti. J'ai eu peur que le serveur ferme. Si le serveur il se déconnecte, je pète un plomb. On est à 21 minutes de combat, bordel. À balancer du fort. À balancer du dot, en fait, tiens, voilà. N'empêche, si je le fais, c'est beau.
serait bien que Godzilla vienne m'aider quand même. Allez, 1425 points de vie qui reste. Enfin, 1000 points de vie. Donc, 1 400 000. Allez, c'est moi qui lui donne l'orage. Parce que lui, il est plus résistant, là, ce... à Thomas. Je commence à en avoir mal aux mains, et force de balancer les sorts. Je vous rappelle la stratégie, hein, la position de mes sorts, en fait, j'ai le petit doigt sur tabulation pour changer d'ennemi, en fait, quand j'attaque plusieurs ennemis. L'index sur 4, le majeur sur 3 et l'annuaire sur 2. Et je balance mes sorts comme ça, en fait. Comme ça, j'ai qu'à décaler mon annuaire sur les traits de l'ombre quand je balance un trait de l'ombre. Et mon affection instable ou drain de vie quand je vais utiliser ces sorties-là. Ce qui permet d'aller plus vite en fait pour taper, pour balancer les sorts. Ouais, technique de pro gamer ça. Acheter des toffes runiques. On fait le deuxième après ? Non, je déconne.
252 points de vie. Allez, on va y arriver. On va arriver au 1 million. Dans 100 000 points de vie, on est à la moitié. Hein. Ça fait 27 minutes qu'on est dessus. Au secours. À l'aide. Heureusement qu'il ne régène pas. Hein. Il régénerait, j'aurais abandonné. Hein. C'est mon marcheur. Mon marcheur, il est en mode, mais rien à foutre. Donc, il a beaucoup. En fait, c'est un sac à PV, ce truc. Mais il frappe pas fort, quoi. C'est un sac à PV, mais qui frappe pas fort. Encore heureux, hein, parce que. Il m'a dérouillé mon marcheur une fois, je crois. Mais après, il a plus rien fait. Après, je crois qu'il a dérouillé quand l'autre était dessus aussi. Quoi. C'est quoi, ils se sont mis à deux dessus. Quoi. C'est terrible. Mais c'est marrant, moi je... Ça m'entraîne. J'ai l'impression qu'il me regarde à me dire, mais qu'est-ce qu'il fout ce con. Il s'entête. Tu sais, il y a des joueurs qui vont repasser là, ils vont faire, bordel, mais ça fait une demi-heure qu'il est. Aïe, ça y est, c'est la fin. J'ai plus de mana. Il va falloir que je me calme un petit peu sur les sorts. Juste rafraîchir les dots. Et ne balancer que des crépuscules. Il me semble que les crépuscules, c'est gratuit. Hein. C'est que je balance un trait de longue d'instantané, mais qui coûte 0 mana, je crois. Et surtout quand je fais les drains de vie. Hein. Les drains de vie, ça me... Ça inflige pas mal de dégâts, mais ça draine énormément de mana. Allez, j'aime bien quand ça fait ça. Là. J'aime bien quand c'est du solide de crépuscule. On lui a dérouillé 1 million de points de vie. Il lui reste plus qu'un million de points de vie. Un peu plus d'un million de points de vie qu'il lui reste. Pour faire un plus.
ben, c'est long, hein. Hop, il faut que je réinvoque aussi mon regard noir. C'est un peu de dégâts, mon regard noir, quand même. Bon, allez, on va rebalancer un petit peu de drain de vie. Savoir que les deux principales sorts qui peuvent me provoquer le crépuscule, c'est la corruption et le drain de vie. C'est pour ça que vous voyez souvent le crépuscule apparaître quand je suis en train de drainer de la vie. Parce qu'en fait, c'est un effet du... C'est un effet du drain de vie. Ça peut me provoquer le crépuscule. Fait un gros rush d'attaque, du coup j'ai utilisé masse mana là. Va falloir se calmer un petit peu. K. On est à 35 minutes. J'ai passé une heure sur sa gueule, hein. Mais tant pis. Je suis désolé, j'aurais passé un épisode complet sur sa tronche. Ça va être terrible. Il va lui rester 900K là. Dites-moi qu'il loot quelque chose. Dites-moi qu'il loot quelque chose par pitié. S'il disparaît sans rien looter, par contre, je pète un pont. Thank you.
Démarrage du programme d'humilité. Allez, on est passé sous la barre des 800 corps. On se décourage pas. De toute façon, en vrai, tant que je prends pas de dégâts, j'ai pas vraiment à m'inquiéter. Hein. C'est juste long. Une minute pour se le faire. L'idéal, ce serait que j'arrive à me le faire en 20 minutes. Enfin, à me faire les 700 cas qui lui restent en 20 minutes. Par contre, je commence vraiment à choper une trempe par contre à la main. Au secours. Ah, oh bordel, 740k. Allez, on y croit.